Hello, chers internautes, bonjour, bien bonsoir, sous Chanel Alex Actualité TV. C'est vraiment toujours un grand plaisir pour nous-mêmes pour nous partager vraiment une information avec vous. Et bien finalement, Dibango a décidé de sortir dans le silence pour porter des lumières pour mon cap dit que vraiment c'est haïtien lié, il pas vraiment africain vrai. Et bien dans la vidéo ça, il porte tous les détails sur nationalité, etc. Et bien sans perdre de temps, on n'a pas entré dans la vidéo à tout de suite, on va faire un pile parler, on va faire un pile étalage. Beaucoup de gens, je sais pas, mais beaucoup de gens disent que je suis haïtien, africain, américain, je sais pas, dominicain. Ça m'est égal. Alors, je veux faire comprendre, il ne faut pas baser seulement sur la nationalité. Alors, pour les gens, je veux beaucoup de... Dibango et extraterrestre, nouvelle façon. Donc, vous êtes prêts? Ok. Encore une fois, nous sommes là sur plusieurs plateformes et moi et Dibango. Et nous allons faire une très belle show. Dibango! Ok. Yeah. Yeah. Allez. Ouais. Là où vient Dibango, le plus important, mais il faut aussi, d'après moi, tout le monde se demande d'où vient Dibango, mais c'est pas le plus important. Je veux apprendre à tout le monde à respecter le talent de quelqu'un et de le voir aussi de bon côté des choses. Après, il ne faut pas seulement voir le côté négatif. Et pour les gens qui nous regardent, Dibango est un jeune artiste qui connaît déjà les venus et qui va apporter beaucoup de choses. Déjà un remerciement à tous les gens qui ont déjà, à tous les gens qui ont déjà regardé la vidéo de Dibango qui m'a déjà partagé. Merci aussi à tous les gens qui vont continuer à le faire. Et en ce moment même, j'attends mes 1 million de vues. Bien. Tu le penses? 1 million de vues. Ça va dire combien de jours? 2 semaines? 1 semaine? 5 jours? Alors, je ne vais pas préciser, mais sous peu. Sous peu? Ouais. Tu te très confiant. Ouais, ouais. Ah. Il existe tout ça. Ok. À quel âge avez-vous commencé votre carrière de chanteur, Dibango? À chanter, je me rappelle pas exactement à quel âge, mais peut-être 10 ans, je crois. Ouais. 10 ans, ouais. 10 ans de ta ville natale, et sur le Sénégal ou Abidjan, ouais. Ok, Dibango, Ralph, quand vous êtes dit que vous êtes un extraterrestre, cela sous-entend quoi exactement? Voilà ce que cela sous-entend. Mais est-ce que quelqu'un a déjà réussi à définir exactement le mot extraterrestre? Mm-hmm. Il n'y a pas de définition exacte à ça. Alors je fais allusion à tout ça, c'est exactement. Et pour alors, vous, extraterrestre veut dire quoi? Un extraterrestre, personne ne va vraiment savoir c'est quoi vraiment un extraterrestre. Alors, il ne faut pas juste chercher à voir les mauvais côtés des choses, mais il faut aussi voir les bons côtés et arrêter de savoir qui est Dibango, mais il faut voir aussi ce qu'il peut offrir et encadrer ses talents. Tout à fait. Et qui est le parolier de cette chanson? Dibango, c'est moi. Dibango, ouais. Ton texte. Ah, quel talent! J'ai écrit tout ça. Ah bon? Et combien de temps? Pendant combien de temps?
J'ai fait ça pendant une semaine. J'ai écrit la chanson, la chanson pendant 3 jours et puis j'ai enregistré la même semaine. Ok. Encore une fois, et Dibango est notre invité pour ce soir, Bachelor Belle Image Live. Je vous invite encore à regarder et cette chanson intitulée Extraterrestre. Félicitations à mon ami Roby Pierre, média artistique. Félicitations, mon frère. J'entends les bra. Dibango, oui. Tiriji. Mais le code wifi pour Dibango. Dibango, et d'où provient l'inspiration de ce texte? Alors, d'après moi, quand on vit une situation, à vrai dire, comme le mien, les inspirations, ça vient beaucoup. Mm-hmm. Alors, yeah. Voilà. Ok. Et comment pensez-vous que les personnes qui suivent Dibango et voient Dibango sur les réseaux sociaux? Ils vont tous apprécier ça et je le savais. Mais par contre, il y a des gens qui ne vous apprécient pas. Ouais, je sais, il faut avoir ça dans la vie. Si tout le monde m'aime, Dibango n'aurait pas de sens. Ah, bon! Il faut avoir les bons et les mauvais pour faire. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Donc tu te sens confiant? Pas tout à fait, mais et voilà pourquoi je ne reste pas trop sur les réseaux. Okay. Parfois, je ne comprends pas vraiment ce qui se passe, mais. Ouais. Je ne veux pas être dépressionné et ça ne fait pas partie du calendrier de Dibango, être dépressionné ou être triste. Mm-hmm. Alors, okay. Je ne reste pas trop sur les réseaux sociaux à cause de ça. Ok. Ma fierté se retrouve dans mon cœur et ma nationalité sur ma peau. Est-ce une façon de répondre à beaucoup de gens qui croient que vous êtes haïtien? Beaucoup de gens, je sais pas, mais beaucoup de gens disent que je suis haïtien, africain, américain, je sais pas, dominicain. Mm-hmm. Ça m'est égal. Mm-hmm. Alors, je veux faire comprendre, il ne faut pas baser seulement sur la nationalité. Mm-hmm. Alors, pour les gens, j'ai vu beaucoup de gens m'écrire en français, bien évidemment, mm-hmm. disent que je nie ma nationalité ou est-ce que je ne suis pas fier de qui je suis. Mm-hmm. Je suis fier de qui je suis, mais ma fierté se trouve dans mon cœur. Bien. Voilà. Ma fierté se trouve dans mon cœur et ma nationalité. 7h37 minutes. Moi-même, avec Dibango, nous avons un bel show. tu peux dire ça en créole? Moi-même, avec Bachelet, nous avons fait un bel show. Hein? Hein? Moi. On fera ça plus tard. Ok. Ok. Dibango, vous est-il déjà arrivé que les gens sur les réseaux sociaux vous lancent des mauvais propos parce que vous êtes d'origine africaine? Non, pas encore. Et comment les Africains? Je sais pas ont... s'il y a vraiment ça, je ne les ai pas encore fait. Ah bon? Non. Et comment les Africains ont vu Dibango, futur star de l'Afrique, hein? Pas seulement de l'Afrique, je veux pas. Du monde. Ouais, du monde. Ouais, du exactement. Monde. Ça. Yeah. Dibango, peut-il vraiment fier et de la personne qu'il est aujourd'hui? Je suis vraiment fier et je vais vraiment accomplir de grandes choses. Ça sonne que le début. Ok, mes amis, en fait, et comme nous sommes capables de constater, c'est là nous venons faire information ça. Nous espérons que nous sommes vraiment enseignés à travers l'information. Mais avant d'aller, nous profiter vraiment de support. Même qui pourquoi abonner à la chaîne là, pas bien abonner à la chaîne là, puis cette cloche notification pour nous sommes capables toujours rester connectés avec nous. Nous vous mettons après très prochainement dans l'autre vidéo. Kimbe la palage. Ciao.